Nous allons maintenant découvrir le Xperia Z sous un aspect un peu plus technique. Ici, comme pour les autres équipements, notre smartphone propose ce qu'il y a de mieux actuellement et pour longtemps. Notamment grâce à sa connectivité 4G, qui vous permet de profiter du réseau très haut débit mobile en cours de déploiement. Concrètement, la 4G vous permet de partager les photos 13 mégapixels du Xperia Z instantanément. Et si vous êtes plutôt cinéma, télécharger un film ne prend que quelques minutes. Côté connectique et boutons, nous allons faire le tour du Xperia Z ensemble. Nous allons commencer par les boutons de volume plus et moins, toujours pratique pour monter le son de son player musical discrètement. Ensuite, le bouton Power, finition métal, se distingue très nettement. Ici, nous retrouvons la carte micro SIM. Sur le dessus, un jack classique pour brancher votre casque préféré. Et sur la face gauche, la connectique MHL regroupe USB et HDMI. Enfin, voilà le compartiment dédié à la carte micro SD et une connectique rapide pour charger votre Xperia Z sur un dock. Vous noterez que les protections au-dessus de chaque compartiment assurent l'esthétique et la résistance à l'eau et aux poussières de notre smartphone. Pour les connaisseurs, nous allons explorer l'intérieur du Xperia Z. En matière de puissance pure, vous retrouverez encore une fois ce qui se fait de mieux sur le marché. L'avantage ? Notre smartphone peut et pourra sans souci faire tourner les jeux et applications les plus lourdes sans difficulté. En outre, la consommation est particulièrement bien optimisée grâce à son processeur avancé qui inclut un mode asynchrone. C'est-à-dire que chacun de ces quatre cœurs peuvent fonctionner à des vitesses différentes en fonction des tâches et des calculs qui leur sont confiés. Pour profiter des toutes dernières nouveautés software, nous avons équipé le Xperia Z du système Android Jelly Bean. Et les nouveautés ne tardent pas à se manifester, avec un écran de déverrouillage réinventé, comme vous le voyez, des raccourcis rapides audio et photo, et un système de notification entièrement retravaillé, plus clair et plus pratique, qui agrège et classe les informations par service. Sans oublier une consommation réduite comparée aux versions précédentes d'Android. Et pour aller toujours plus loin avec votre smartphone, nous avons équipé le Xperia Z d'une batterie particulièrement puissante, qui, couplée à notre nouveau mode d'optimisation, le mode Stamina, peut décupler l'autonomie en veille. Et si toutefois vous arriviez en fin de course, le système Fast Charging redonne de la vie au smartphone en un temps record. Avec 10 minutes de charge, vous pouvez passer une heure en communication. Quelle que soit la manière d'utiliser votre smartphone, le Xperia Z dispose des dernières technologies qui s'adapteront à vos besoins. Fluidité, autonomie, mais aussi connectivité. Il rassemble ce qui se fait de mieux aujourd'hui, et le tout, dans un Sony. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le Xperia Z, n'hésitez pas à visiter nos autres vidéos.